Avoir un super casque haut de gamme qui est en plus de ça bourré de technologie. Eh bien, c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un super casque haut de gamme. Ici de la marque Edifier, il s'agit donc du Stax Spirit S5. Donc on le verra durant cette vidéo, mais en fait vraiment il y a de très belles finitions et en plus de ça il est livré avec une petite housse de protection zippée. Donc vraiment ça, Edifier, ils font très bien leur travail parce que c'est vraiment très soigné avec même des séparateurs pour éviter en fait que ton casque, plus ou moins, tu vois, t'as même un séparateur comme ça, bouge en fait dans ta housse de protection. Donc c'est vraiment super soigné. Je t'ai déjà présenté un autre casque audio de la marque Edifier il y a plusieurs mois. Le lien de cette vidéo est dans la description. Je vais aussi créer une playlist concernant la marque Edifier puisque bah franchement ce sont des produits de très bonne qualité. On va retrouver la technologie en fait Equal Mass, c'est-à-dire que le casque répartit le poids sur le diaphragme de façon uniforme, ce qui élimine pratiquement toute distorsion du son. Voilà, c'est ça aussi l'objectif, hein, quand on va aller vers les casques haut de gamme, c'est d'avoir de la pureté, vraiment du son de haute qualité et bah, aucun parasite. C'est voilà, c'est vraiment d'essayer d'avoir le son le plus pur possible. Comme je t'ai dit, on a la technologie du diaphragme, ici l'Equal Mass, pour une répartition égale de la masse et une réponse rapide minimisant en fait la distorsion. On a ici Qualcomm chipset en fait QCC 5181 intégrant la technologie ici Snapdragon Sound pour une connexion robuste et une consommation d'énergie réduite. Codec audio supporte Qualcomm aptX comme je te l'ai dit, une qualité sonore haute résolution jusqu'à 24 bits 96 kHz et faible latence. Une certification aussi audio certifie ici ARS audio avec les codecs LDAC et LHDC pour une qualité audio supérieure via USB auxiliaire et Bluetooth, puisque bien entendu on a un port jack 3,5 mm. Si jamais tu veux mettre un câble, il n'y a aucun souci avec ça. Concernant la qualité des appels, ils ont travaillé avec un dual mic et technologie Qualcomm CVC pour une réduction de bruit ambiant et une amélioration de la clarté aussi vocale. Autonomie de la batterie, comme je te dis, c'est énorme. On a jusqu'à 80 heures de lecture de musique, mais vraiment en lecture de musique 80 heures et une recharge rapide aussi offrant 11 heures de lecture en 10 minutes. C'est-à-dire que si jamais tu as besoin de déplacer et tout et qu'il reste plus beaucoup de batterie, en l'espace de 10 minutes avec la charge rapide sur ce casque là tu rajoutes 11 heures sur ton casque. Enfin, on a une application aussi mobile Edifier Connect pour des fonctionnalités personnalisables telles que les réglages EQ, les contrôles de lecture et la gestion des coussinets. Donc ça c'est pas mal, j'utilise aussi bien entendu que ce soit pour l'autre casque et j'ai trouvé ça vraiment pas mal au début de configurer un petit peu ton casque avec l'application mobile. Ça marche bien, ça se connecte rapidement, c'est intuitif et c'est ce qu'on demande. On a un design ergonomique, on le verra, avec un bandeau vraiment ajustable, coussiné en peau d'agneau véritable et en maille rafraîchissante pour le confort. Et dans la boîte, on retrouve le coussinet de rechange en maille ici, un câble auxiliaire 3,5 mm, adaptateur 3,5 à 6,35 mm. Donc ça, c'est cool, ça peut toujours servir l'adaptateur. Un câble USB de type C puisqu'il se recharge bien entendu en type C. Outil de retrait des coussinets. Étui de voyage pour casque, pochette aussi pour coussinet. Bon, maintenant c'est parti pour la phase test. Bien, c'est parti pour la phase test ici du Stax Spirit S5. Alors, donc je vais aussi te superposer donc sur l'écran eh bien l'application mobile, mais vu que en fait tout simplement le casque n'est pas encore sorti, je l'ai reçu un petit peu en avance, mais en fait il n'est pas disponible encore dans l'application mobile. Mais quand on regarde, et ce que j'ai pu te montrer aussi dans ma précédente vidéo, c'est que dans l'application mobile, franchement c'est vraiment pas mal. On va voir ici tous les casques, donc voilà, donc si jamais tu achètes un casque chez eux, tu vas pouvoir le connecter avec l'application mobile. Et puis tu vas voir par exemple les écouteurs aussi, puisqu'ils proposent des écouteurs, et le Stax Spirit série, mais sachant que là il y a le S3, il n'y a pas encore le S5 puisqu'il n'est pas encore sorti. Donc je peux pas vraiment te faire une démonstration. Je t'ai déjà montré dans ma précédente vidéo comment ça fonctionnait, puisque globalement tu vas pouvoir faire plein de réglages avec le son et c'est vrai que c'est quelque chose quand même d'assez intéressant. Voilà. Voilà, donc là forcément le son est bon, il y a les basses,
Ça va être sympa, je vais mettre de la musique après, ça va être très sympa je pense. Voilà, donc le son, la voix, il n'y a rien à dire. Ouais, le son est très bon. En tout cas, quand je parle et tout, on sent vraiment que c'est très clair. J'ai pu entendre un petit peu avec mon intro les basses, donc je vais mettre un peu de musique pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai mis, je suis à fond là en plus. Ah non, je suis pas à fond, putain ouais, waouh. Ah ouais, ça peut monter haut quand même. Ah oui, ça peut... Là, c'est trop fort pour moi. Ouais, c'est propre de fou. C'est vraiment bien. Franchement, les basses, c'est agréable. Non, non, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup les amis, j'aime beaucoup. Ah oui. Les basses, on croirait vraiment que t'es dans une sorte de concert et que t'as la basse à côté de toi. C'est vraiment bien fait. Bam. Ah, la voix, elle est propre de fou. Elle est, c'est vraiment, c'est très très propre. Et là encore, je suis sur YouTube. Hein. Je suis pas avec les meilleures sources. Ouah, c'est fou de... C'est vraiment très très bien les amis. On a aussi au passage le réducteur de bruit, hein, bien entendu. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Hein. Je n'entends plus rien là, autour de moi de toute façon. Ah, c'est pas grand-chose à dire. Donc là, si j'appuie une fois, je mets pause. Voilà, je rappuie, je mets play. Ça répond vraiment bien. Je peux appuyer assez rapidement. Ça augmente, ça diminue le son. Donc ça, c'est bien. Si j'appuie deux fois sur le bouton du milieu. Donc là, j'ai mis le Siri en fait. Voilà, ok. Donc ça c'est cool. Et pour mettre la piste en fait, donc ici précédente, faut que j'appuie longtemps sur le bouton plus. Regarde là, je te montre ça tout de suite. J'appuie longtemps. Voilà, je maintiens. Voilà. J'appuie longtemps sur le bouton moins pour faire la piste suivante. Voilà. Là, là je refais la piste suivante, imaginons. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important d'avoir des raccourcis, ce genre de choses. Hop, j'appuie sur le bouton du milieu, ça se met en pause. Je rappuie. Ça repart, donc ça c'est nickel. Voilà, c'est plutôt réactif. Hop, donc là on a remis Black Eyed Peas avec une sorte de petit remix pour éviter les copyrights. Là j'augmente le son. Ok, j'ai un bouton tout en bas lorsque j'appuie une fois dessus. Donc voilà, voilà, en tout cas vraiment très intéressant. Ouais, on entend bien. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors attends, on va mettre en pause. Il y a de très belles finitions. Donc ça, ce que j'ai pu vous montrer un petit peu avec le unboxing. Vraiment très très joli. Est-ce qu'il a un poids? Il a un poids? Pff, non, non, non. Comparé à d'autres casques qui peuvent être beaucoup plus lourds. Bon, après, c'est sûr, c'est pas 10 grammes. Ça, c'est pas dérangeant. Les coussins sont très agréables. Les coussins, c'est un truc de fou. Ils sont ultra agréables, vraiment. De toute façon, on le voit au toucher, hein, dès que je commence à toucher et tout. Et franchement, c'est super agréable et tout. C'est vraiment, ça enveloppe toute ton oreille. Mais surtout, c'est agréable en fait. C'est vraiment, voilà, des vrais coussins, quoi. Qu'on devrait retrouver sur tous les casques d'ailleurs au passage. On voit que c'est marqué Stax Spirit sur le côté. Écoutez, franchement, non, non, c'est vraiment bien. Et puis, on peut aussi, bien entendu, un peu les plier pour pouvoir les ranger aussi facilement dans la boîte. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un super casque. Donc, bien entendu, qui est réglable. Hein. Donc, ça aussi, on le retrouve avec beaucoup de casques. Mais on le sent vraiment de qualité. La barre aussi en haut, très important pour moi. Elle est très agréable. Donc vraiment moi je me sens en tout cas très bien avec. Bien entendu tient très bien aussi. Donc ça aussi ce sont des choses bêtes. Mais pour moi alors surtout à ce prix là, il a intérêt à bien tenir. Là dessus il n'y a rien à dire. Voilà, je peux limite faire du sport et tout. Je le règle bien, je le serre. Je peux bouger, tu vois, il n'y a pas de souci. Voilà, il va pas tomber. Donc non, il y a... très confortable, sachant que le son il est vraiment de très bonne qualité.
quoi demander de plus finalement. Et donc concernant son tarif, en fait il est à 499,99€, donc ça reste bien entendu un prix. Globalement celui-là on voit une différence quand même, déjà au niveau du son, au niveau de la qualité du casque, on sent vraiment les matières qui sont vraiment plus travaillées, beaucoup plus quali. Je trouve que le mode réducteur de bruit marche vraiment ultra bien et que il y a vraiment c'est très confortable, voilà, comparé à l'autre casque que je t'ai présenté. Après c'est normal aussi, tu montes en gamme, donc il y a tout qui va évoluer derrière. Le son il est excellent, vraiment il n'y a rien à dire avec ça. Bien entendu ne pas oublier que le son, bah, il faut avoir un super casque, mais il faut avoir aussi du très bon audio, une bonne source, c'est très important, parce que sinon ça perd de son intérêt. On a une petite protection, enfin bref c'est bien fourni. Donc moi honnêtement pour les gens qui adorent le son, vraiment et essayer de voilà d'avoir la musique la plus pure possible, eh bien je pense que ce casque là peut faire l'affaire. Bon merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.